Yo tout le monde, c'est Tom59700, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc tout simplement la vidéo qui va consister, ça va être un petit tuto pour mettre des mods sur GTA 4. Donc voilà, tuto assez simple. Donc alors tout simplement ce qu'il vous faudra c'est de... Allez, vous allez sur GTA 4 mode, Iron Man. 4v1.2, c'est-à-dire la dernière mise à jour avec toutes les armures. Comme vous pouvez voir, là, il vous en montre quelques-unes. Ah non, ça c'est les armes. Donc voilà, vous pouvez faire plein de choses. Donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, alors pour le mettre, vous aurez à cliquer sur ouvrir, placement du fichier. Ensuite, vous irez là, vous ferez propriété. Il y aura une petite fenêtre comme ça. Comme ça. Vous serez dans compatibilité ou général, vous irez dans détails et vous regardez la version. Alors, attendez. Je crois que c'est. Faut que je m'en souvienne. Oh, attendez, c'est peut-être pas là. À moins que ce soit là, mais que j'ai fait une boulette. Voilà. Détails. Voilà, alors voilà, vous irez ici, vous verrez détail votre version du produit. Parce que ça c'est le launcher et ça, voilà. Donc, vous voyez, 1.0.7.3.0. Et au début j'étais en 1.0.3.0 ou une autre version, un truc comme ça. Donc tout simplement, je me suis dit comment faire et j'ai regardé plusieurs tutos, j'ai passé des journées. En tout une semaine pour réussir à mettre le jeu. Donc c'est pour ça que je fais le mode. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Tout simplement pour vous aider. Donc tout simplement ce qu'il fallait faire, c'était d'aller ici. De cliquer sur télécharger version complète. Voilà. Donc lancer le téléchargement. Enregistrer. Hop, voilà, ça je ferme. Ça je ferme. Alors je mettrai le lien dans la description. Donc vous voyez 9 minutes c'est que c'est assez gros quand même, voilà 10 minutes. Donc et attendez, comme j'ai été bête j'ai oublié de le garder. Donc voilà, donc ça prend assez de temps, donc je pense que je vais faire une petite éclipse pendant ce temps, comme ça vous aurez pas trop de temps. En attendant, en même temps vous irez sur ce site que je mettrai. Donc c'est pour télécharger en 1.7.2 parce que en 1.0.7, excusez-moi trop l'habitude de Minecraft, parce que vous l'avez pas en bonne version. Par contre, je vous dis ce site, je sais pas, je crois pas que c'est ce site, mais il y a un des sites que j'ai qui est bourré de pubs parce que ça vous dépasse. Donc vous cliquerez sur Download. Voilà, enregistrer. Et tout simplement, voilà, moi je l'ai déjà. Je l'ai là, donc je le mettrai sur mon bureau pour la suite. Donc voilà. Donc je fais une petite éclipse et on se retrouve dans un instant. Hop. Dans un instant pour la suite de la vidéo. Allez, à de suite. Ouais, donc voilà. Le téléchargement c'est terminé. Donc tout simplement, vous aurez juste à l'ouvrir. À extraire les petits fichiers. Enfin, même pas obligé. Vous aurez juste à cliquer sur Update Title.exe. Et ensuite vous serez tout ce qu'il y a. Moi je vais pas le faire parce que sinon ça va faire bugger mon jeu et je pourrai plus du tout rien faire. Donc une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez quitter tous les téléchargements. Vous ouvrirez l'emplacement du fichier. Vous ouvrirez ça, vous prendrez ça et vous glisserez pas le README mais les deux trucs là dedans. Donc ensuite vous aurez votre jeu en 1.0.7.0 et vous pourrez tout simplement avoir le tout dernier Iron Man et des mods. Donc alors tout simplement vous irez dans Main Files, prendrez tout ce qui est là, tout, non, attendez, voilà tout, et vous glisserez ici. Tout simplement ce qui va faire vous remplacer, vous ignorez même c'est des trucs à remplacer. Ensuite vous irez dans, ensuite vous pourrez fermer ça, vous irez dans Open 4 que je mettrai le lien dans la description.
exécuté en tant qu'administrateur si vous avez craqué le jeu, ou normal si vous avez le jeu normal. Hop. Ah, j'ai aussi oublié de dire, voilà, ça marche pour les deux, hein. Donc même si vous n'êtes pas craqué et que vous arrivez avec aucun tuto, vous en faites pas, vous pouvez regarder la vidéo. Hein. Donc voilà, vous le lancez. Donc, moi j'ai mis comme ça, mais voilà, c'est pas très... moi ça me dérange pas. Vous irez dans PC, vous irez dans Anim, merde, dans Anim, anim.img. Donc je sais qu'avec plusieurs tutos, moi je l'ai fait avec plusieurs choses. Jamais réussi. Quand vous le glissez, vous le voyez pas. Donc c'est tout simplement très normal. Vous aurez juste à faire Edit Mode, que je ferai après tout simplement. Je vous montrerai. Donc voilà, vous ferez Edit Mode. Ok. Vous cliquerez sur le petit carré, le sorte de petit, de petit symbole, voilà. Vous irez dans Bureau et vous chercherez Anime, animation, voilà. Vous prenez un parachute WAD et vous ferez ouvrir. Ensuite, voilà, vous tapez bien parachute WAD. Voilà, on l'a. Donc, voilà, maintenant vous avez la petite animation. Donc, tout simplement, maintenant pour les armures, ce qui est beaucoup plus compliqué, vous irez dans modèle CD images. Et là, c'est là que on va faire un petit truc avant. Vous prendrez la... Ah non, pas pour celle-là. Vous irez dans Component. Ouais, par là. Bon, ce truc-là, le premier truc, non, c'est... Vous prendrez... Quand je dis tout, c'est tout, 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 tout. Donc, tout simplement, si vous voulez pas faire un par un, parce que je sais que c'est vraiment très chiant, vous irez tout simplement dans... Armor. Prendrez tout, 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 tout. Tout ça, et vous ferez ouvrir. Et ensuite, après, dès que vous aurez tout ça, vous viendrez ici et vous referez tout, 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 tout ça. Ça, c'est pour avoir les policiers en armure assez swag. Voilà. Ensuite, pour alors, maintenant, il va falloir que je regarde un peu le APC. Voilà. Alors, ça, c'est pas obligé. Personnellement, moi, ça marche pas, donc je m'en fous un petit peu. Ah, oh. Mais après, vous faites comme vous voulez. Normalement, faut aller dans véhicule.img. Vous faites ça et vous cherchez APC. APC, voilà. Vous prenez tout ça. Ensuite, vous rentrez dans ce fichier. Encore dans ce fichier. Et vous prenez tout ça. Et ensuite, normalement, vous aurez des voitures en sorte de tank. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Donc ensuite vous pourrez tout simplement fermer tout 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 les pages, voilà, et vous lancerez votre jeu. Comme dans l'autre, vous pouvez l'exécuter en tant qu'administrateur, vous aurez une plus grande chance qu'il marche. Et en même temps, pendant qu'on est là, je voulais aussi dire quelque chose. Avant. Ah, je terminerai par ça. On va recommencer. Enfin, on va faire vite fait, bref. Hop, vous téléchargez ça, ça. Ça, vous installez le deuxième, celui où il a un icône assez bleu quand vous l'extrayez. Ça, vous glissez tout dans le fichier, le tout premier fichier par exemple. Voilà, ouvrir ici. Voilà, la racine du fichier. Voilà, je cherche un mot. Et ensuite, ça, vous retournez un petit peu en arrière. Vous mettez dans animation. Vous ouvrez comme je vous ai montré avec Edit Mode, puis encore avec le petit truc, vous mettez parachute WAD. Ensuite, vous allez dans Component, ouais, j'arrive pas à parler, Component, un truc comme ça, .img. Vous glissez toutes les armures, même celles optionnelles si vous voulez. Ensuite, vous allez dans Véhicule et vous glissez le reste. Et tout ça, voilà. Donc, tout simplement, vous pouvez vous dire, je raconte n'importe quoi, que ça ne marche pas, mais vous pourrez voir dans ma prochaine vidéo. Eh ben, je vais faire un petit test pour vous montrer. Vous n'en faites pas, Resident Evil 6 et ma petite série Lego The Hobbit aussi, et ma survie Minecraft vont continuer. Donc, tout simplement, pourquoi je n'en sors plus en ce moment? Parce que tout simplement, en ce moment, je suis plus trop sur l'ordinateur. Enfin, si, mais souvent sur GTA ou sur...
ma tablette sur Clash of Clans surtout. Donc voilà. Voilà pour une petite précision. Mais bon, après, vous pouvez toujours un peu attendre si vous voulez. Parce que je sais que je vais à Resident Evil 6. Je pense que ça va être pendant les vacances. Je vais en sortir peut-être tous les jours. Je suis pas trop sûr, mais je pense que pendant les vacances, je vais faire surtout du Resident Evil 6 et des mods Minecraft. Lego The Hobbit, pour le moment, je fais une petite pause. Mais vous en faites pas, je vais la terminer parce que j'ai même pas avancé encore dans le jeu. Il faut que voilà, j'ai commencé trop de séries et j'aurais jamais dû faire ça. Parce que j'ai craqué trop de jeux. Comme vous pouvez voir, tous les jeux c'est craqué à part Minecraft. Et Doom Room in Hell, Need for Speed World, DC Universe et Garry's Mod non plus. Voilà. Et Sensea, c'est un jeu gratuit aussi, donc voilà. Je ferai aussi quelques petites vidéos vite fait. Donc voilà. Et aussi, je veux vous parler pour un prochain projet Minecraft. Ça va être vous me présenter mon pack de textures, le tome 59700 pack, qui réunit plein de packs de textures, plus quelques petites modifs faites par moi, surtout les épées et un peu quelques armures. Je modifie vite fait. Donc, je ferai un petit test pour voir si le pack de textures vous plaît, et ensuite je le mettrai à télécharger parce que c'est un pack de textures faceful surtout. Et PVP. Quand vous frappez, vous voyez les effets de potions. Vraiment, voilà, assez swag. Donc voilà, je voulais parler de ça. Et voilà, bon bah, n'hésitez pas à liker la vidéo. J'espère que je vous aurai aidé. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à m'en parler pendant les commentaires. Ou vous regardez mes autres vidéos. Il y a une vidéo où j'ai montré. Comment dire? Voilà où j'ai mis mon Skype, vous me rejoignez sur Skype et je vous montre tout ça en partage d'écran. Donc le mode est vraiment pas mal. Comme vous pouvez voir aussi, on peut mettre la Stark Tower, mais personnellement je n'ai pas réussi. Ça ressemble à la ça enlève la GTA Life. Donc la Get Life. Ouais, voilà. Si vous avez réussi, bah ça ne me dérangerait pas de me dire comment vous avez fait, parce que personnellement, même en suivant les instructions, je n'y arrive pas. Donc voilà. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner pour plus de vidéos et aussi mettre vos prochaines vidéos que vous voudrez voir, style crack d'un jeu. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Des tutos par exemple, je sais pas, une intro, enfin intro, j'ai fait pour moi, mais bon, faut que je m'en souvienne. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Des petites astuces aussi, ouais, voilà. Par exemple, une vidéo astuce Minecraft. Voilà. Hein. Donc, voilà, allez. Je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas encore à liker ou à vous abonner. Je vais dire ça plein de fois, mais bon, excusez-moi si je dis souvent ça. Donc voilà, j'espère que je vous ai bien aidé. Allez, bye tout le monde et à la prochaine.